la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Je crois que comprendre ce qu'est la tentation et y résister de façon agressive est la seule façon de nous tenir éloignés du diable. Jacques 1, verset 12 dit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Endurer la tentation signifie traverser des épreuves sans abandonner, afin d'être vainqueur sur le mal. Endurer signifie aussi traverser des périodes de tentation sans que notre comportement ou notre attitude en soit changé. Jésus n'a jamais traité les gens différemment lorsqu'il a été tenté. Et lorsque nous avons atteint le stade de maturité en tant que chrétiens, nous pouvons suivre son exemple. Jésus sait exactement ce que nous endurons lorsque nous faisons face à la tentation. Parfois, il nous permet d'y faire face afin qu'il puisse nous montrer les zones de faiblesse qui subsistent dans notre vie et nous aider à les surmonter. C'est la seule façon pour vous de pouvoir avoir tout ce que Dieu désire que vous ayez et d'être la personne qu'il souhaite que vous soyez. Et la maturité vient au travers des épreuves. Alors, soyez déterminés à être patients et surmontez la tentation par la grâce de Dieu. Cela vous tiendra éloigné du diable. Prions ensemble. Saint-Esprit, je crois que tu es avec moi pendant les périodes où je suis tentée, afin de m'aider à être patient et fort face aux tentations. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir plus de ressources de Joyce, retrouvez-nous sur le site joycemeyer.fr.